Coucou. Bon, ce matin, j'ai reçu ce grand carton-là de chez Amazon. C'est la poste qui me l'a livré. Je sais ce que c'est Coco qui m'a acheté ça pour la fête des mères. Elle m'a dit, je t'ai pas acheté grand-chose. Elle me dit, je t'ai acheté ça. Je lui ai dit, c'était pas la peine. Mais bon. Et là, Amazon vient de passer. Là, j'ai retiré les étiquettes et il m'a livré ça et ça. Donc, je m'installe et je vous ouvre tout ça. Bon, me revoilà. Je me suis installée. Je vous ouvrirai le grand carton après. Là, j'ai juste retiré les scotch. Et je vais vous montrer. Alors, je vous avais dit que j'avais commandé une pochette. Une trousse pour mettre mes crayons de couleur. Et oui, je suis toujours avec mes crayons de couleur. Je vous ai montré ce matin comment je me servais de l'essence. Je vous montrerai le résultat final. Je vais vous le montrer maintenant. Tiens. Le résultat final, ça donne ça. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Alors, le prochain que je vais faire des dégradés. Hein, parce que là, j'avais fait seulement, je voulais voir ce que ça donnait. Là, j'ai essayé de faire quelques dégradés. Bon, j'attends toujours mon jardinier hein, de venir ce matin. Je vous avais dit, je fais ça en attendant. Et il n'est pas venu. Donc, je n'ai pas de nouvelles. Si je n'ai pas de nouvelles ce soir, je vais l'appeler. Je vais voir. Je le laisse parce que je sais qu'il a pris du retard avec toute la flotte qui est tombée. Donc, je ne suis pas la cliente emmerdante. Le pire, c'est que l'herbe continue de pousser, quoi. C'est ça, surtout. C'est pour lui. Moi, je m'en fiche. Moi, je ne vais pas dehors tant que ce n'est pas fait. Je ne vais pas dehors. C'est trop moche. Donc, j'y vais pas. Voilà. Donc, voilà mon dessin une fois terminé. Je ne trouve pas si mal que ça. Bon, ce que je vais faire, je vais découper ça. Puis, je vais peut-être faire un bord. Je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, c'est juste là. C'était juste un essai que je voulais faire avec cette fameuse essence. Sans odeur, là, sans odeur, sans odeur, je sais pas quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous avais dit que j'avais des crayons, ils sont là-dedans, hein, voilà, comme ça. Et là, je me suis commandé une pochette. Alors, j'espère que. Il y a combien? Il y a trois fermetures éclair. Donc, ah ouais, c'est pas mal ça. On peut mettre une gomme, taille crayon. J'ai tous, combien qu'on peut en mettre? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok. Je crois qu'on peut en mettre 120. Hein. 14. 14 et 12, 36. 38, 40, 42, 44, 46, 48. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. J'ai de quoi faire, hein? 80. 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102. 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, je peux remettre. Donc, c'est pas mal. Je vais les ranger après parce qu'il faut que je les range. Comme j'ai fait le nuancier hier, je vais les ranger dans l'ordre que j'ai fait le nuancier. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi à retrouver. Voilà. Pas mal ça. Non. Je vais laisser le petit truc dedans là. Hop. J'ai pris cette couleur là. Il y avait une autre couleur, mais c'était trop vif. Et l'autre, elle était unie. Donc, j'aime bien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis en train de regarder. Il y a un truc là. Ah ben voilà. C'est là pour la portée. Ok. Bon ben voilà. Ça va m'occuper ça tout à l'heure pour ranger.
Ensuite, là c'est pareil, j'ai retiré l'étiquette avec mon adresse dessus. Donc ben, c'est le troisième livre que j'ai commandé, puisque je vous le redis, j'en avais commandé un. Il m'avait dit qu'elle me l'avait livré, j'étais dans ma boîte aux lettres, il n'y était pas, donc j'ai fait une réclamation, ils m'ont remboursé, et en fin de compte, je l'ai reçu le lendemain avec mes crayons de couleur. Donc, bah, comme ils m'ont remboursé, et puis que je ne savais pas que j'allais recevoir, j'en ai recommandé, j'ai bah, j'en commandé deux d'un seul coup, donc ça m'en fait trois. Alors, j'ai 2 x 50, et là, il doit y en avoir 50 aussi, sûrement. Et comment il est celui-là? Il est colorié. Ah oui, c'est un modèle. Les dessins sont plus petits déjà là. Mais bon, ça peut le faire. Il y a beaucoup de papillons. Encore des papillons. Ouais, c'est surtout des papillons, je crois. Oui, il y a beaucoup de papillons. Là, il y a des oiseaux. C'est plus fin déjà. C'est déjà plus fin à faire, donc je vais déjà m'entraîner sur les autres là qui sont un peu plus gros, celui que le premier que j'ai reçu et le deuxième que j'ai commencé hier aussi, que je vous ai montré. Non, je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai dû le mettre dans le vlog qui va paraître bientôt. Ah oui, il y a beaucoup de papillons, mais c'est pas mal, ça me plaît bien parce qu'il y a plein de petites couleurs, on peut faire des dégradés. Ah ouais, c'est... Je laisse comme ça hein, parce que dans un sens ou dans l'autre c'est le même dessin. Oui, c'est des formes de papillons, c'est marrant. Bon, ben, je vais sûrement en faire un aussi hein. Ça j'en ai fait un dans chaque, et ben je vais en faire un dans celui là aussi. Ben, celui là le premier là, il doit pas être trop, ouais, celui là il me déplaît pas mal, celui là je pense. Ben voilà. Par contre, les couleurs là sont criardes. Moi, je ne vais pas faire des couleurs criardes comme ça. Hein. Ça, sûrement pas. Ça m'étonnerait que je fasse des couleurs criardes comme ça. J'aime pas. Déjà là, je trouve que j'ai fait foncé. Mais j'aurais dû faire des dégradés. Mais c'était pour essayer. Mais je trouve que c'est super bien là, l'essence. Ah ouais. Je vous remontre si des fois vous n'avez pas vu. C'est sans odeur. Ah ben, j'ai oublié le S dans mon. Ah oui, il faut que je vérifie. Il faut que je. Il faut que je le corrige en dessous ma vidéo. Sans odeur. S-A-N-S-O-D-O-R. Ouais. Et je trouve que ça atténue bien les traits de crayon et tout. J'aime bien. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au cadeau de Coco. Elle m'a fait un cadeau. Vous allez voir. Ouais, j'aime bien ça. Donc ça, hop, avec ma petite collection. Alors, entre la collection des stickers, enfin des petits bouquins là que j'ai avec plein de trucs à découper. Entre ça, mais là en ce moment c'est le coloriage. Ça me vide la tête. Je pense à autre chose pendant que je fais ça. Et puis voilà. Et je vous remercie toutes pour ce que je vous ai dit hier dans une vidéo. Bon, je ne vais pas m'y rendre hein, parce que c'est à Marseille. Mais je serai avec eux demain par la pensée. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis en train de me vider la tête avec ça. Donc, je vais vous ouvrir. Alors, je vais vous montrer ce que c'est maintenant. Alors, je ne sais pas. Je vais vous relever peut-être. Attendez. Oh, oui, je vous bouscule, hein, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Et c'est un tapis de coupe. Elle me l'a pris bleu. Elle m'a dit, ça te plaît le bleu? Bon, je lui dis oui, ça changera avec mon gris et tout ça. Donc voilà. Voilà le grand tapis de coupe. Il est super beau. Hein. Mais il est aussi grand que celui que j'ai, mais... Oui, il est aussi grand. Ouais, c'est la même grandeur. Voilà. Donc, je vais nettoyer ma table, puis je vais mettre celui-là à la place. Voilà. Bah, merci Coco. Hein,
Ça fait super plaisir. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger toute ma table. Voilà. Oui, je suis encore retenue tranquillou. Hein. Vous regardez pas, je suis pas. Je me laisse. Non, je me laisse pas aller. Mais ça m'énerve parce que. Ça m'énerve parce que le jardinier n'arrive pas et j'ai pas de nouvelles et ça. J'ai du mal à. J'ai du mal à entamer quelque chose quand c'est comme ça. Vous regardez pas ma tête, j'ai une tête de. Une tête de. Je sais pas quoi. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Hein. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être demain. Enfin, demain, demain c'est vendredi, oui. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Vous aurez cette vidéo-là demain, oui, je pense. Demain matin. Puis après, je vais voir. J'ai mon album là, rouge que je suis en train de faire. Mon album rouge. J'étais bien partie, puis là, comme je me suis mis dans les coloriages. Oh, la tête. Quand je me suis mis dans les coloriages, eh bien, j'ai pas envie de reprendre les papiers, mais je vais les reprendre parce que je vais pas le laisser traîner comme ça sur la table. Enfin, il est là, il est pas loin. Hein. Mais j'ai pas. J'ai autre chose en tête aussi. Je vais pas faire que du coloriage. Hein. Je vais pas vous embêter avec ça tout le temps. Mais là, je vous montre comment je m'équipe, ce que je retrouve et tout. Alors, oui, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Ah, bah oui, ce matin, quand j'ai fait le coloriage, je vous ai dit que ça tachait derrière. Et en fin de compte, une fois que c'est sec, bah c'est plus taché. Donc c'est super, je pourrais quand même. Mais ce que je ferais si. Moi je vais faire un blabla en même temps. Ce que je ferais. Je mettrais une séparation quand je colorerai. Attendez. Vous l'avez. Ah, maintenant je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là. Attendez, parce que ça doit être dans mon autre vlog. Dans le vlog que j'ai fait. Je vous montre quand même ce que j'ai fait hier. J'ai fait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai fait ça hier. Le 5 juin 2024. Donc celui-là, il faut que je le date aussi. 6 juin. Je l'aime bien celui-là. Je l'ai envoyé à ma petite fille. Elle m'a dit, oh, c'est joli, mamie. Donc ça fait plaisir venant d'elle. Même Corinne, elle m'a dit que c'était bien. Vous voyez, moi, je fais des couleurs quand même assez claires. Hein. Je n'aime pas trop. Là, j'ai fait foncer parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mais il aurait fallu que je fasse deux sortes de bleu. Vous voyez? Mais bon. Mais j'aime bien. Je suis contente de moi. J'ai voulu faire un fond aussi. Je suis contente. Ça va. Alors, là, le dessin que je vous ai montré que j'ai fait hier, j'avais m'étais imprimé des couleurs comme ça. Pour voir un petit peu les couleurs que je pouvais mettre. Et puis, bah, je m'en suis inspirée sans trop m'en inspirer. Mais je le garde quand même. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je range mon nuancier. Ce que je vais faire, là, oui, j'ai ça aussi que je voulais faire. C'était, à moins que je le fasse ah oui, je vais m'imprimer une feuille stickers. Comme ça, j'aurai pas de colle à mettre. Vous savez, les feuilles transparentes ou même les blanches, carrément les blanches. Je vais m'en imprimer une comme ça. Et comme ça, j'aurai juste à découper le numéro et à le coller. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça cet après-midi. Voilà. Donc, ouais, bah ça, il faut que je le laisse sortir. J'irai faire ma photocopie. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Donc... Je vais vous laisser, hein. Je vais vous publier cette vidéo-là demain matin. Demain matin, vendredi, oui. Je vais vous faire ça. Et moi, après, je vais ranger tous mes crayons. Je vais les ranger dans l'ordre avec les couleurs, là. Ouais, je vais m'imprimer et puis je vais faire au fur et à mesure. Voilà. Bon, ça, je ne vous le filme pas. Hein. Mais je suis contente. Alors, merci Coco de ma belle plaque, là. Et puis, ben, merci moi, parce que ça, c'est moi qui me suis acheté avec... Bon, avec 3 livres de coloriage, je pense que j'ai de quoi faire quand même là.
J'ai un petit peu stoppé. J'ai ce qu'il faut, j'ai mes limes, j'ai mes estompeurs, j'ai mon essence. J'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai mes buvards aussi. Bon, j'ai de quoi faire du coloriage quand même pas trop mal, hein. Alors moi qui avais commencé avec de l'aquarelle, mais l'aquarelle, j'ai pas trop accroché. J'avais acheté aussi pas mal de feutres que j'ai pas accroché non plus. Mais là, les crayons de couleur, alors j'ai commencé par ceux que je vous avais déjà montré une fois, mais je vais quand même m'en servir. Je vais en mettre, comme j'ai 24 places libres, je vais en mettre 24 des autres dedans. Et puis voilà. Ouais, je vais faire ça va m'occuper, en espérant avoir des nouvelles de mon jardinier. En espérant. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Coucou. Bon, ça y est, j'ai fini d'installer. Bon, j'ai eu mes amis qui sont venus passer une partie de l'après-midi avec moi, ça m'a fait plaisir. Et là, j'ai fini de mettre le beau tapis de découpe que Coco m'a acheté. Voilà, vous voyez, il est bleu turquoise, il est joli comme tout. Voilà. Donc, vous avez les centimètres, comme d'habitude, puis vous avez les millimètres. Ah non, c'est pas les millimètres. 1, 2, 3, 4. Ah non, il va falloir que je me méfie, là. C'est pas les millimètres. Mais c'est les centimètres, quand même. Attendez, que je regarde quelque chose. Ah non, c'est même pas les centimètres. Et de l'autre côté, c'est le même... Bon, je me méfierai, donc je prendrai plus une mesure. Non, parce que 2 carrés, ça me fait 2 cm et demi. Ouais. Donc, je fais attention. Et j'ai fini aussi de ranger tous mes crayons. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai encore un peu de place. C'est quoi ça? Petit bout de fil. Alors, j'ai commencé... Non, ça, c'est la fin. C'est la fin, ça. Donc, c'est pas grave, on va tourner. Et on va... Donc, voilà, les premiers. Ah, ceux-là, il faut que je les mette dans le... Enfin, non, ça va pour 3, c'est pas bien grave. Voilà, je les ai mis dans l'ordre... Dans l'ordre de mon... Dans l'autre chose. Mon nuancier. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Je les ai mis dans l'ordre. Donc le premier, il est là. Et après, ça suit comme ça. Voilà. Là, j'ai laissé de la place. Je vais mettre les estompeurs blancs. Je vais les mettre là. Ensuite, vous avez une deuxième couche. Une deuxième couche. Voilà. Comme ça. Et ensuite, la troisième couche. Et là, j'ai encore de la place pour en mettre. Voilà. J'ai essayé de mettre les numéros apparents parce que je voulais mettre... Je me suis imprimée sur du... Comment? Sur du collant. Mais je ne vois pas du tout comment je peux mettre mes couleurs. Là. Parce que... Ben je vais le garder. De toute façon, je vais le garder à portée de main. Hein, pas de souci. Bon, comme ça, j'en ai les nuanciers. J'en ai. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième. Donc là, je vais mettre aussi... dans les places libres, je vais mettre les crayons que j'ai de... que j'avais acheté les autres, et puis je vais mettre aussi les estompeurs, je vais les mettre là, je vais aller les chercher, tiens, je vais aller les chercher. Que moi je vais pas mettre de taille crayon, je vais pas mettre de taille crayon dedans. Ah ben je vais peut-être pouvoir mettre ma lime là.
mais c'est quoi là? Ah ben oui. Voilà, je vais mettre la lime. Et je vais mettre les estompeurs. Alors, je ne sais pas si celui-là il va rentrer parce qu'il est bien gros. Ah ben, il y a un gros là, c'est bon. Ensuite, après, par contre, les autres, je ne suis pas sûre. Ça, ça doit être le numéro 4. Ah non, c'est le numéro 5, celui-là. Et celui-là, c'est le numéro combien hein? Numéro 6, ouais, c'est ça. Numéro 6. Eh bien, il me semblait que c'était le plus gros. Le numéro 6. Le numéro 5, je pense pas qu'il passe. On va essayer. En forçant un peu, on doit y arriver. Hein. Il me connaît pas, le gars. Je ne vais pas le claquer, quand même. Parce que ceux-là, je ne peux peut-être pas m'en servir tout de suite. Donc, autant qu'ils soient rangés. Comme ça me fait une belle trousse de... Voilà. Quand on veut, on peut. 5. Hein. Le 4, lui, va passer. Hein. Mais t'as vrai qu'il ne passe pas. Quand même. Comme ça, ça sera rangé. 4. On va se passer, là. De toute façon, j'ai de la place. 3. Allez, coco. 2. Celui-là, je ne suis pas sûre que j'en suis. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Comme ça, ça s'est rangé. Ça, je vais le laisser dedans. Et hop là. Et ça me fait une belle trousse. Attends, je vais aller ma fermeture éclair. Elle est là. Alors, le jardinier n'est toujours pas passé. Il est déjà... bon, il est 5 heures. Il viendra pas ce soir, à tous les coups. Donc, je lui ai envoyé un message. Je l'ai appelé tout à l'heure, mais il ne répond pas. C'est le répondeur. Donc, j'espère qu'il va venir. Parce que là, ça commence à urger. Parce que, avec mes amis, on a été faire un tour sur la terrasse. Du côté de la cabane, là-bas, je ne vois même plus la cabane. Les herbes, elles font moins 2 mètres de haut. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser. Merci, Coco, pour ce joli tapis que je vais essayer de ne pas abîmer. Ça, ça va être autre chose. Et puis voilà. Puis, bah, en attendant, bah, je vais me remettre à colorier quelque chose ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai plein de rangements à faire, mais bon. Voilà. Donc, j'étais contente. J'ai mes amis qui sont venus. Puis, elle me dit, tu viens en loto? J'ai dit, non, pas samedi, j'y vais pas. Elle me dit, ben, il y en a un dimanche après-midi, on te prend. Ah, j'ai dit, oui, allez, hop, dimanche après-midi, j'y vais. Donc, ils vont me prendre dimanche matin, mais de bonne heure, parce qu'il faut aller faire la salle. Mais bon, c'est bon. Ça va me changer un petit peu. Ça va me changer. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé mon ouverture de mes petits cadeaux que je me suis fait et que Coco m'a fait. Mais je suis contente de cette trousse là pour les crayons. Je suis super contente. Voilà. Au moins ils sont à l'abri, ils sont rangés. C'est une belle petite trousse avec 3 grandes fermetures. J'aime bien. Puis au moins les crayons sont protégés. Et je peux garder ça à côté de moi. Ça me fera un petit bazar de plus. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça avec mes cahiers, avec mes livres de mandala et tout ça, de coloriage. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.